un exercice de préparation mentale. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On aide les sportifs à être sereins et confiants en compétition et éliminer la peur d'échouer. Donc aujourd'hui, on va voir un exercice de préparation mentale que tu peux mettre en place tous les jours. Donc avant cela, tu peux t'abonner pour être sûr de louper aucune vidéo. Tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche juste en dessous et tu recevras toutes les vidéos. Donc maintenant, un exercice de préparation mentale. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle va être vraiment plus pratique. C'est un exercice que je fais faire à tous mes sportifs de haut niveau et même les entrepreneurs et qui est tiré de l'Institut Sein, le muscle du bien-être de Mani et Sam de l'Institut Sein. Donc tu es prêt pour ça? Alors là, je t'encourage à prendre un bout de papier et note 3 moments de joie et d'enthousiasme que tu as eu dans ton sport. Alors mets pause sur la vidéo le temps que tu fasses ça. Ok, c'est bon, tu les as. Maintenant, note 3 moments que tu as de détermination. Allez, mets pause. Ok, c'est bon, tu as tes 2 moments. Donc tu vois, là, il y a un moment qui est plus des énergies de joie, d'enthousiasme, qui est plus une énergie qui est féminine. Et de l'autre côté, donc une énergie yin. Et de l'autre côté, tu as plus une énergie qui est plus masculine, une énergie qui est yang. Et on va vraiment jouer avec les 2. Donc maintenant, ferme les yeux. Ok, tu as les yeux fermés. Tu mets, tu vois, bien droit, décrois ce qu'il y a à décroiser. Tu peux te mettre debout. Peu importe, assis ou debout. Ok, ferme les yeux. Et maintenant, connecte-toi au premier moment de joie et d'enthousiasme. Ok, super, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. La réveille la mémoire cellulaire de ce moment. Maintenant, connecte-toi à un deuxième moment de joie et d'enthousiasme. Ah super, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Ah super, allez, un troisième moment. Et si tu n'as pas le troisième moment, tu restes sur le deuxième. Ah, et t'agrandis l'image. T'illumines l'image. Rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps. Voilà, réveille la mémoire cellulaire de la joie et de l'enthousiasme. Génial, super. Maintenant, prends un écran devant toi, derrière tes paupières fermées. Coupe-le en deux et mets la joie et l'enthousiasme à droite de l'écran. Ok, maintenant, connecte-toi à un moment de détermination que tu as noté ou un autre qui vient. Allez, agrandis l'image. Illumine l'image. Rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Retrouve la même posture. Super, un deuxième moment de détermination et de certitude. Pareil, t'agrandis l'image, t'illumines l'image, rapproche l'image de toi. Porte ton attention sur les sons, les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Retrouve la même posture, ressens la même énergie de détermination et de certitude maintenant. Super, bascule sur un troisième moment. Si tu n'en as pas, tu restes sur le deuxième. Pareil, t'agrandis l'image. T'illumines l'image. Rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Retrouve la même posture, même respiration. Super, tu mets ça à gauche de l'écran. À droite, tu as la joie enthousiasme, à gauche, la détermination et certitude. Et face à la frontière entre les deux, mélange les deux.
ressens ce qui se passe dans ton corps. Voilà, et quand tu es connecté à ça, si ton niveau de bien-être il est au minimum à 8 sur 10 là, hop, tu t'autorises à te visualiser à une prochaine compétition. Voilà, une fois que tu l'as, ok, tu as grandi l'image, tu élimines l'image, tu rapproches l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres, là, quand ça y est, c'est fait. C'est fait, l'objectif il est atteint, c'est fait. Voilà, qu'est-ce que tu éprouves quand tu es connecté à ça comme émotion? Et là, tu apprends à ton corps à ressentir les mêmes émotions maintenant. Voilà, il commence à ressentir par tes cinq sens. Là, cette réalité qui est déjà faite, ressens-le dans ton corps maintenant que c'est déjà fait. Cool, alors à ton rythme, après, tu peux prendre 3-4 secondes, 3-4 respirations. Et quand tu en as envie, tu peux ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant en pleine forme pour le restant de la journée. Voilà, cet exercice est vraiment de préparation mentale, vraiment puissant pour reconnecter les énergies et féminines d'un côté et masculines de l'autre pour pouvoir, poum, être connecté à ton objectif. Donc, je t'invite à le faire, cet exercice, tous les jours. Et moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Partage autour de toi si ça peut aider d'autres sportifs, d'autres performeurs à pouvoir évoluer et performer dans le bien-être. Et moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !